Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 10 février et aujourd'hui, petite sortie VTT au niveau de la forêt dans le secteur de Famec, Vitry, Suran. Mais bon, pour partir de chez moi, j'ai un peu de chemin et j'avais pas envie de prendre la voiture. Donc, je fais ça tout sur le vélo. En tout, ça devrait me faire une sortie de 54 km pour environ 800 de plus. Ça fait environ 0. C'est pour ça que je suis parti assez tôt le matin. Pour avoir le sol encore gelé, sinon c'est bien moins drôle quand il se transforme en tonne. Ce qu'on peut. Donc ça c'est des petits chemins qui permettent de faire des jonctions assez sympas dans la circulation. Ça permet de rejoindre Famec à Vitry. Bon, enfin ça doit maintenant les choses sérieuses commencent. Donc là, 7,6 km, 400 de plus annoncés et tout de suite un gros taquet. Donc là c'est la voie de Bevenge. Ceux qui connaissent, là, ils savent très bien devant quoi je me trouve. Donc là, on ne parle plus. Portion à 26, 28, 29, une sensation de replat à 22%. C'est dans le gravel, même pas je l'attends. Je veux bien que ça grimpe le gravel, mais j'ai pas le rapport de réduction adapté pour ça. Donc pas les jambes. Bon. Et bien après ce bon petit taquet, on va un peu jouer. Alors, pas trop glissant. Ah, les deux, là, je pensais pas à droite, j'ai jamais vu. Je sais qu'il remonte pas complètement, c'est chiant. Après, je la desserre, mais si je la desserre, elle va descendre. J'ai mis la petite pâte carbone et tout, mais je sais pas. Toujours du single mouvement. Ça va être que ça pendant quelques kilomètres.
Et ça monte toujours. Tout de suite, hein. C'est dingue. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Là, je fais monter-descendre. Allez, surtout monter. La descente, ça durera pas très longtemps. Passage par là. Là. Et là. Et là. Et nous revoilà sur le chemin. C'est clair que j'aime toujours ici, je trouve que c'est joli. Profiter pour tester ce petit appareil photo là. Jamais pour vous passer. On va pas trop tarder à arriver sur le plateau. Mais bon. Je vais stopper un petit peu cette ascension. Bien que là ça va, ça roule encore bien, plus dur à passer. La fin de la première ascension. Voilà, c'est typiquement des bons chemins de gravel. Là où il prend tout son sens, c'est là où le VTT devient ennuyeux, quoi. Placement de batterie après un peu plus de 2 heures, donc ça va, c'est correct. C'est le secteur qui est un peu fun.
je suis crépi. Ouais, j'étais pas si mal. Enfin, j'étais pas trop j'étais pas trop sale là en plus de. Oh, quoi, je sais pas, 1 ou 2 km. Je suis complètement crépi. De descendre pour jouer. Moi ça. Là, voilà. Donc, il est temps de Bevange, partiellement gelé. Là, c'est de la pleine exploration, je connais pas. En tout cas, c'est sympa comme chemin. Je suis super chargé en boue, ça va se décroter, ça fait encore un peu doux. Quand j'ai vu la vidéo de la tour de Reims, j'étais revenu par ce pont en gravel, mais ça allait. Non, mais je sais pas si vous voyez. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. C'est assez compliqué. Bon, bientôt la fin de la chasse. C'est également bientôt la reprise des randonnées organisées. Donc je pense que la fréquence des vidéos va peut-être augmenter avec ces randonnées organisées. Je pense en filmer quelques-unes. Et du coup, je pense avoir donc plus de contenu à vous proposer prochainement. Je vais pouvoir reprendre de belles sorties gravel aussi, avec le sol qui s'améliore, meilleures conditions. En tout cas, j'arrive bientôt chez moi, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée et bon ride à vous.